Pierre Briant, bonjour. Vous êtes titulaire de la chaire Histoire et civilisation du monde achéménide et de l'Empire Alexandre. Alors, le monde achéménide, c'est où? C'est quoi? C'est qui? C'est l'ensemble des pays du Proche et du Moyen-Orient, des centrales, c'est-à-dire, pour parler en termes contemporains, nous partons, si vous voulez, du Pakistan actuel, et en balayant tout l'espace oriental d'est en ouest, on arrive en traversant l'Iran, l'Irak, on arrive à la Turquie, jusqu'à la Turquie occidentale. Et du nord au sud, on part du Sirdaria, c'est-à-dire des républiques d'Ouzbékistan, Tadjikistan, Turkménistan. On va vers le sud jusqu'à la première cataracte du Nil, jusqu'à Assouan. Donc voilà ce que c'est, géographiquement parlant, sur le plan géopolitique, l'Empire achéménide. Il a été créé donc vers 500, à partir de 550 avant Jésus-Christ, donc à partir des conquêtes de Cyrus le Grand, puis de son fils Cambise et enfin de ses successeurs Darius et Xerxès, qui ont rassemblé toutes les terres dont je viens de donner une délimitation approximative. Cyrus et ses successeurs eux-mêmes sont ce qu'on appelle des Perses, donc des gens qui viennent de ce qu'on va appeler ultérieurement, ce qu'on appelle actuellement le Fars, donc la Perse, qui est une province méridionale de l'Iran à l'heure actuelle. Et les Perses eux-mêmes donc sont une population dont les origines, on n'a pas le temps de venir dans le détail, mais une population qui a elle-même son propre langue, ses traditions, ses cultes, etc., et qui est une des populations de l'immense empire perse. Et alors, Alexandre le Grand, dans cette histoire, puisque vous êtes un spécialiste d'Alexandre et que la chaire s'est aussi intéressée à l'empire d'Alexandre, on ne sait pas tout de ce grand homme, mais là encore, votre rôle, ça a été de revisiter un peu son histoire et de nettoyer un peu le mythe. Enfin, oui, moi, je dirais que lorsque je suis arrivé au collège, vous savez que c'est le professeur qui arrive qui choisit le titre de sa chaire. Donc moi j'avais proposé le titre « Histoire et civilisation du monde achéménide et de l'Empire d'Alexandre ». J'avais lié les deux parce que, si vous voulez, traditionnellement, l'histoire d'Alexandre a été faite par des hellénistes, des gens qui connaissent bien les sources grecques, les sources latines, et qui arrivent au Moyen-Orient avec Alexandre, comme je dis d'une manière un peu péjorative, dans les fourgons de l'armée d'Alexandre. Je veux dire par là qu'ils arrivent là sans rien connaître à l'histoire achéménide. Or, comment faire? Une comparaison que je prends souvent, c'est comme si un historien français de la guerre de 70 étudiait la guerre de 70 sans faire apparaître dans son livre ni l'Allemagne, ni la Prusse, ni Bismarck. Nous sommes dans la même situation. Les livres sur Alexandre ne consacrent jamais un développement vraiment nourri à l'histoire achéménide, ce qu'est l'Empire achéménide. Or, c'est essentiel pour comprendre. Comment comprendre ça? Comment comprendre Alexandre autrement dit? Et en plus, je pense qu'Alexandre, lui, savait. C'est-à-dire que je pense qu'Alexandre avait des plans, un projet et des connaissances. N'oublions pas que la Macédoine, oui, la Macédoine, donc ce qui est le nord de la Grèce et une partie de la Bulgarie, donc était limitrophe de l'Empire achéménide, Turquie du Nord-Ouest. Hein. Il y avait des échanges de population, des échanges nombreux de points culturels également, que tous ces gens se connaissaient très bien et que la cour de Macédoine, la cour de Péla, était parfaitement informée de la vie de l'Empire achéménide, en tout cas au moins d'une partie occidentale de l'Empire achéménide. Je ne dis pas qu'ils connaissaient dans tous les détails, mais ils connaissaient tout de même beaucoup de choses. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai voulu lier les deux domaines qui pour moi, bon, ce sont deux domaines, mais qui s'interpénètrent très très étroitement, disons dans une période que j'appelle la période de transition entre 350 et 300, donc 20 ans avant Alexandre, 20 ans après Alexandre environ. C'est là où se crée le monde qu'on va appeler le monde hellénistique, qui va se créer après la mort d'Alexandre, au moment où ses successeurs prennent le pouvoir dans les différents royaumes de l'ex-empire d'Alexandre, qui est aussi l'ex-empire achéménide. Vous avez été l'artisan d'une plateforme virtuelle qui s'appelle Akemenet. Qu'est-ce qu'on y trouve et quel est l'avenir d'ailleurs de ce grand support de documentation? On numérise tous les documents primaires, si vous voulez, y compris d'ailleurs les dessins de voyageurs, qui constitue une source d'information à partir du 7e siècle en particulier. Mais disons qu'on rassemble, si vous voulez, les grands corpus, alors les tablettes babyloniennes, des milliers de tablettes babyloniennes. Pour le moment, il y en a à peu près 3000 sur le site, mais à terme, il y en aura c'est sans limite. On va bientôt mettre sur le site les milliers de tablettes qui ont été découvertes à Persepolis, dans les années 30 qui sont en train enfin d'être étudiés et publiés. On a mis sur le site également les réserves achéménides d'une quinzaine de musées dans le monde à l'heure actuelle, et on a des accords de collaboration à venir avec d'autres musées à Genève, à Saint-Pétersbourg, à Chicago, etc. Donc l'Internet permet non seulement de mettre des dépôts d'archives, si vous voulez, mais en plus de les traiter et à ceux qui viennent ou à celles qui viennent, de pouvoir utiliser grâce à des instruments d'indexation, des moteurs de recherche, etc., qui leur permettent de faire des recherches, y compris des recherches croisées. Donc, si vous voulez, une plateforme Internet, c'est beaucoup plus qu'une série de grands livres dans une bibliothèque, parce que ça vous permet d'aller beaucoup plus loin dans vos recherches et de faire des recherches croisées quand vous restez chez vous. Et donc mon grand souci a été de prévoir, ce qui n'a pas été facile, mais enfin ce qui a été possible, ce qui est déjà extraordinaire, de prévoir le maintien et la vie continue du programme, après mon départ à la retraite, donc qui est une attache institutionnelle. Eh bien, une convention officielle a été signée entre le Musée du Louvre et le Collège de France, qui prévoit donc le déménagement de l'ensemble du programme au Louvre, dans un espace dédié, et qui prévoit d'ailleurs que le site Akemenet soit double siglé Collège de France et Musée du Louvre. Et donc, ce qui est formidable, donc ça je vous le dis avec une joie considérable, c'est que je sais maintenant que ces 12 ans de travail, dont je peux dire qu'ils ont été acharnés, ne sont pas perdus, et au contraire vont permettre justement de poursuivre l'idée de départ qui était de créer des conditions pour que l'histoire achéménide, si elle n'existe pas dans les universités, puisse exister sur Internet, et donc que la vraie réalité du monde achéménide soit une réalité virtuelle.